Sifflement, puis un déchirement effroyable, comme si la croûte terrestre éclatait à mes côtés. Soudain, sur ma tête, une massue s'abat, terriblement lourde. Elle est lancée avec une force formidable. On dirait d'un cyclope surgit là, des profondeurs d'un volcan. Et j'ai l'impression qu'il vient de s'ouvrir sous mes pieds. L'espace d'un éclair, et je suis enlevé comme la feuille au vent de septembre. Une main géante m'a saisi, et je suis maintenant précipité dans le vide. Je tombe d'une hauteur vertigineuse dans un trou. Dieu qu'il fait noir, si noir. Oh, c'est affreux et désespérant. L'angoisse m'étreint le cœur et martèle mes tempes. Ma gorge se serre un peu plus, encore, toujours. Impression fugitive, bientôt plus rien, le néant. Combien de temps suis-je resté ainsi, dans l'abolition de tout mon être? Je ne saurais le préciser. À un moment donné, il me semble que d'un mouvement très doux et extrêmement lent, je remonte du fond où je viens de m'abîmer. Est-ce moi, tout moi, qui vais ainsi porter sur une aile invisible comme à travers l'infini mystérieux? Ou est-ce à nouveau la vie qui s'insuffle en mon corps? Ma conscience se réveillerait-elle? J'ai l'idée de la mort, j'ai donc une pensée, donc je suis. Mais quelle pensée? Et d'où me vient-elle? Peut-on trépasser sans souffrir, à moins d'être foudroyé? Or, je ne souffre même pas. Mais tout d'un coup, je me souviens. Oh oui, le coup, le terrible coup de massue. Il a dû me laisser, Dieu sait quelle horrible mutilation, par où mon souffle tend à s'échapper. Ma tête, de plus en plus, s'alourdit à présent. Je sens mes forces décliner.
Si bizarre que cela puisse paraître, je n'ai pu définir encore la nature exacte de ma blessure. Car je dois être blessé, je le sens bien. Je vois du sang. Des épaules, il me coule sur les manches. Mes mains sont rouges, rouges aussi tout le devant de ma capote. Un miroir, je veux voir. Et je le crâne défoncé. Un haut le cœur me rejette en arrière. Ce n'est pas possible. On m'a changé de tête. Ce n'est plus moi. Je ne me reconnais plus. Mon visage, ce trou en étoile ouvert jusqu'aux oreilles, le beau visage de mes 20 ans, cette bouillie de chair et d'eau, ces lambeaux sanguinolents, et ce sanglant hachis, mes joues pleines de tout à l'heure, mes lèvres, mon nez, ma langue, et tout ce que furent des traits sympathiques, maintenant disparus à jamais. Mon menton me pend au cou, comme une cravate de commandeur, et mes yeux ne sont plus que flammes vacillantes, enfouies dans des orbites protubérantes et cerclées de noir. L'image reflétée fait peur. Je hurlerai de désespoir, plus de bouche, mais une gueule. Et de ma gueule béante ne sortent que des rugissements de fauves aux abois. J'ai sondé depuis lors toute l'odieuse barbarie incluse dans ces mots de César. Soldat, frappe au visage! Je venais de vivre les minutes les plus extraordinaires de mon existence de poilu. Mais cette fois, je suis, pour ainsi dire, perdu en un rêve fantastique où m'emporte un véritable vent de folie. Maintenant, le soleil descend dans une gloire embrasée, incendiant le couchant. Tous les reliefs sont teints de pourpre, teints de sang. Il ne reste plus qu'à profiler ma silhouette titubante d'homme ivre de son propre sang sur ce décor tragique construit pour moi et moi façonné pour lui. Le crépuscule s'étend et le calme vient avec lui. Qui sont-ils? Pourquoi se tiennent-ils ici, dans le crépuscule? Pourquoi se balancent-elles, ces ombres du purgatoire, langues pendantes, bavant leur délectation? Dents, en sourires obscènes, comme celles de squelettes. La douleur vient et revient, mais quelle lente panique a creusé ces gouffres autour de leurs orbites. Dans leurs cheveux et sur leurs paumes, la misère meurt de chaud. C'est sûr, nous sommes morts pendant notre sommeil. Nous marchons en enfer. Mais qui sont ces damnés? Voici les hommes dont les morts ont pris l'esprit. Dans leurs cheveux pianote le souvenir de meurtres, ces innombrables meurtres dont ils furent témoins. À travers les bourbiers de chair, ils errent impuissants, foulant le sang hors de poumons qui aimaient rire. Toujours il leur faut voir ces choses et les entendre. Fracas de canons, envol de muscles démembrés, carnage sans pareil et gaspillages humains trop denses pour qu'ils en émergent. C'est pourquoi leurs yeux tourmentés se contractent encore, entrent dans leur cerveau, car pour leur sens, la lumière du soleil semble tache de sang. La nuit arrive, noire. L'aube s'ouvre comme blessure, à nouveau saignante. Ainsi, leur face porte-t-elle, hilare, hideuse, l'affreuse fausseté de cadavres souriants. Ainsi leurs mains se cueillent-elles, triturant les nœuds des fouets qui les battent. Ils cherchent à nous saisir, mon frère. Nous les avons frappés. Ils cherchent à nous toucher. Nous leur avons donné la guerre et la folie. «
gaz dissout, l'obus arrache, crible le sol, disloque les eaux que le lance-flamme achève de fondre et de carboniser. La forme humaine se désintègre, se transforme. Les têtes d'hommes virent à la gargouille. On raconte que la vue des gueules cassées s'inspire et inspire aux médecins du front une irrépressible répulsion. Près de 15% des blessés de 14-18 l'ont été au visage. Les brancardiers ne voient que le trou sanglant. À quoi bon relever ces morts vivants ? Ils sont morts, et bien morts, puisqu'ils n'ont plus de figure humaine. Pourquoi sauver ces débris brûlants ? Il y a un tri à effectuer sur le champ de bataille, des priorités imposées par l'absence de trêve à apprécier sous le canon. Ils choisissent donc celui qui n'a plus de jambes, là, plutôt que le misérable à côté, qui perd son maxillaire et n'a même plus Dieu pour pleurer. On ramasse les gueules cassées en dernier, irrécupérables ou jugés. Ils sont condamnés. Puis, voilà qu'on s'aperçoit qu'il est peut-être possible de les sauver. Évacués sur des brouettes et incapables de retenir leur salive, ils sont baptisés les baveux. Réhabilités, en même temps qu'acheminés vers les centres de soins, ils deviennent très vite les témoins les plus parlants de l'atrocité de la guerre dans la France affligée et, plus tard, le moteur de la solidarité nationale. Il faut les sauver puisque, à tout prendre, leurs blessures sont assez peu mortelles. Mais il convient de les garder en salle de soins à part, de les recoller pour faire la preuve qu'on peut rendre l'humanité à ceux qui ont perdu les signes extérieurs de l'identité. Vaste entreprise et noble ascèse de médecins qui se spécialisent et doivent trouver en leurs patients un interlocuteur responsable. On célèbre encore aujourd'hui des messes à la mémoire de ces médecins virtuoses et pionniers, le colonel Virin, les docteurs Morestin de la Genière ou Ébilot. Se met en place alors le triangle d'or de la rédemption, le médecin, l'infirmière et le blessé. La bouche et la langue étant souvent arrachées, les malheureux sont incapables de crier au secours. Les chirurgiens du front les répartissent en fonction du grade et de la blessure. Dans les centres spécialisés de l'arrière, le délai moyen entre la date de la blessure et l'arrivée au poste de soins est de 42 jours. Et enfin, laver, désinfecter, leur plaie épluchée, ils sont nourris par sonde nasale ou rectale à l'aide du canard ou du col de cygne. Alors commencent les opérations et les greffes, suite graduée de supplices, où interviennent prothésistes, mécanothérapeutes et autres chirurgiens maxillofaciaux. Mais l'essentiel pour ces blessés, véritables cobayes humains, reste le regard du médecin épié à chaque visite. Ni pitié, ni complicité, il faut un regard froid, le seul qui rassure, prédit le futur, donne de l'espoir. L'infirmière, elle, a pour mission de faire disparaître les miroirs. C'est dans ses yeux seulement que le blessé doit pouvoir reconnaître qu'il garde sa place au sein des vivants, puisque même au moment des soins, on le regarde comme un homme. L'infirmière est la première épreuve de la reconnaissance sociale, celle qui transforme l'être là du patient en être pour les autres, qui lui rend sa conscience, qu'elle ne cède ni à la répulsion, ni à la pitié, qu'elle soit seulement présente. À la maison des gueules cassées, le nombre de blessés de 14-18, épouseront leur infirmière. Quoi de plus normal ? Elles ont fait cesser l'isolement de la victime dans la solitude de l'horreur. Elles leur ont rendu leur présence au monde. Thank you.
Il n'y a de limite à la transformation du visage que celle de l'infini qu'il donne à voir et à dire. Car il n'y a pas, par définition, de visage sans regard, ni lecture, cristallisant en un lieu offert ce qui, dans l'espèce animale, exauce son plus haut degré de motricité, de sensibilité, de sensorialité. Le visage est fenêtre et miroir, clarté et ténèbres. Ambigu, il n'est rien que sa trace. Écartelé, fragmenté, morcelé, distrait, comme pour en mieux révéler l'essence, il est l'objet de toutes les métamorphoses, mythologies, histoires des religions, rites ethniques, arts et littérature. La nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche s'ouvrant jusqu'aux oreilles, les oreilles se repliant jusque sur les yeux, un nez informe fait pour l'oscillation des lunettes de grimacier et un visage qu'on pouvait regarder sans rire. La nature avait comblé Gwynplaine de ses dons. Mais était-ce la nature? Ne l'avait-on pas aidé? Deux yeux pareils à des jours de souffrance, un hiatus pour bouche, une protubérance camuse avec deux trous qui étaient les narines, pour face un écrasement, et tout cela ayant pour résultante le rire. Il est certain que la nature ne produit pas toute seule de tels chefs-d'œuvre. Un pareil visage n'est pas fortuit, mais voulu. Être à ce point complet n'est pas dans la nature. L'homme ne peut rien sur sa beauté, mais peut tout sur sa laideur. Gwynplaine, enfant, avait-il été assez digne d'attention pour qu'on s'occupât de lui au point de modifier son visage? Pourquoi pas? Ne fût-ce que dans un but d'exhibition et de spéculation. Selon toute apparence, d'industrieux manieurs d'enfants avaient travaillé à cette figure. Il semblait évident qu'une science mystérieuse, probablement occulte, qui était à la chirurgie ce que l'alchimie est à la chimie, avait ciselé cette chair à coup sûr dans le très bas âge et créé avec préméditation ce visage. Cette science, habile aux sections, aux obtusions et aux ligatures, avait fendu la bouche, débridé les lèvres, dénudé les gencives, distendu les oreilles, décloisonné les cartilages, désordonné les sourcils et les joues, élargi le muscle zygomatique, estompé les coutures et les cicatrices et ramené la peau sur les lésions tout en maintenant la face à l'état béant. Et cette sculpture puissante et profonde était sortie le masque de Gwynplaine. On ne naît pas ainsi. Quoi qu'il en fût, Gwynplaine était admirablement réussi. Gwynplaine était un don fait par la Providence à la tristesse des hommes. Par quelle Providence? Y a-t-il une Providence démon comme il y a une Providence Dieu? Nous posons la question sans la résoudre. Gwynplaine était saltimbanque. Il se faisait voir en public. Pas d'effet comparable au sien. Il guérissait les hypochondries rien qu'en se montrant. On voyait Gwynplaine, on se tenait les côtes. Il parlait, on se roulait par terre. Il était le pôle opposé du chagrin. Spleen était à un bout et Gwynplaine de l'autre. Aussi était-il parvenu rapidement dans les champs de foire et dans les carrefours à une fort satisfaisante renommée d'homme horrible. Il était du reste grand, bien fait, agile, nullement difforme, si ce n'est de visage. En naissant, il avait dû être enfant comme un autre. On avait conservé le corps intact et seulement retouché la face. Gwynplaine avait été fait exprès. L'opération faite sur lui avait dû être affreuse. Il ne s'en souvenait pas, ce qui ne prouvait point qu'il ne l'eût pas subi. Cette sculpture chirurgicale n'avait pu réussir que sur un enfant tout petit et par conséquent ayant peu conscience de ce qui lui arrivait. Outre ce visage, ceux qui l'avaient élevé lui avaient donné les ressources de gymnaste et d'athlète. Ses articulations, utilement disloquées et propres à des flexions en sens inverse, avaient reçu une éducation de clown.
Dans son appropriation au métier de saltimbanque, rien n'avait été négligé. Ses cheveux avaient été teints, couleur d'ocre, une fois pour toutes. Gwynplaine avait les cheveux jaunes. Cette peinture des cheveux, apparemment corrosive, les avait laissés laineux et bourrus au toucher. Ce hérissement fauve, plutôt crinière que chevelure, couvrait et cachait un profond crâne, fait pour contenir de la pensée. L'opération quelconque qui avait ôté l'harmonie au visage et mis toute cette chair en désordre n'avait pas eu prise sur la boîte osseuse. L'angle facial de Gwynplaine était puissant et surprenant. Derrière ce rire, il y avait une âme faisant, comme nous tous, un songe. Thank you.
Thank you.
C'est à son visage qu'il est identifié, connu plus qu'il ne se connaît lui-même, et jugé, admis ou écarté. Parce qu'il y est nu et exposé, le visage est le point de son corps par lequel et en lequel se joue la destinée de ses relations avec les autres, et de là sa place dans le monde et son existence même. Reproduisons ce que l'art avait fait en passant de l'icône au portrait. La science médicale va dans un formidable exercice d'admiration en révéler la perfection géométrique, la cosmogonie, puis, bravant les interdits, oser lever le voile de la chair et disséquer le corps supplicié ou abandonné. Quelle obscénité se cache derrière la peau ? Si Dieu a fait l'homme à son image, comment disséquer Dieu ? Paul Valéry disait « Votre inhumanité intellectuelle et technique se concilie fort aisément et même fort heureusement avec votre humanité qui est des plus compatissantes et parfois des plus tendres. » Que cette sentence prémonitoire s'applique bien ici à la chirurgie de la transplantation et à la transplantation d'une partie du visage. Inhumaine était la défiguration de la patiente mordue par son chien, transformée l'espace d'un instant en sujet monstrueux, cachant le trou béant d'un visage derrière un masque qui attirait davantage le regard qu'il ne le détournait. Bête curieuse, dit le vocabulaire, qui donne à voir et suscite la curiosité. Inhumaine, terriblement inhumaine, l'idée de l'homme de perturber la sérénité de qui va mourir, de maintenir artificiellement son corps végétatif en vie, pour mieux en interrompre le cours en prélevant ses organes et en dénaturer, quelle que soit l'application, à redonner la forme, l'apparence. Inhumaine, quelque part, cette froideur chirurgicale, aidé en cela par la limitation du champ de vision au champ opératoire, froideur nécessaire à tailler avec certitude dans le vif et disséquer et repérer muscles et éléments nobles, à squelettiser nerfs et pédicules vasculaires, mais à l'opposé, humaine, magnifiquement humaine, cette revitalisation du transplant quand l'éclampe levée
il reprend couleur, volume, consistance et vie. Cette transsubstantiation qui fait d'un tissu atone, flasque, sans couleur, le fragment de chair qui palpite au rythme de qui le reçoit. Humanité restaurée quand la receveuse, se regardant dans le miroir, dit « je me ressemble ». Apparence retrouvée, corps reconnu au fil de la restauration, de la sensibilité, nouveau visage capable d'inscrire dans ses traits l'émotion. Le monstre a laissé place à une figure humaine. Humaine, surhumaine, pourrait-on dire, que cette donation de la part la plus chère de soi-même, l'image dont on souhaite que les autres se souviennent. Cette partie unique qui, si elle n'est plus le lieu de l'âme, n'en est guère éloignée. Que celles et ceux qui ont accepté le principe, au-delà de ce que la donneuse a pu exprimer de son vivant, sache que la noblesse de ce geste est à jamais inscrite dans l'histoire de l'humanité. J'étais un peu inquiète tout de suite après l'opération, mais bon, le lendemain, j'ai demandé à voir mon visage. C'était merveilleux. Merveilleux, de plus avoir un tronc et d'avoir la forme d'un visage comme tout le monde, c'était magnifique. Ce qui a changé dans ce visage, c'est le niveau des joncs et puis le menton. J'ai ressenti des picotements, des fourmillements, et ça montrait vraiment que tout se passait bien et que ça réagissait à mon visage. L'Institut Faire Face, c'est pour nous un devoir de responsabilité. À partir du moment où, pour un événement chirurgical que nous avons eu la chance de pouvoir mener à bien, avec toute la médiatisation qui s'est développée autour, on aurait pu en rester là, se regarder le nombril et être très heureux d'avoir fait ce qu'on avait fait, passer à la postérité, inscrire son petit nom au livre de l'histoire d'une chirurgie. Bon, non, ça c'est pas du tout notre façon de penser. C'est se dire, voilà, là, il y a une question fondamentale qui a été posée, dont on sait très bien qu'il va falloir un jour ou l'autre s'affranchir de la transplantation, parce qu'on sait que le don d'organes est une chose extrêmement complexe, difficile à accepter, d'autant plus difficile à accepter qu'on a affaire au visage. Là aussi, c'est une question très 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 forte. Transplantation, oui, mais au prix de contraintes extrêmement lourdes pour les patients qui bénéficient ou supportent cette transplantation, avec là aussi sans doute une très grande amélioration de la qualité de vie, mais peut-être aussi une diminution inéluctable de la quantité de vie. C'est un pari sur l'avenir, ça il faut le savoir, donc il faut aller au-delà. Le rejet, j'en ai fait un il y a 3 mois, donc ça a rougi sur le greffon. Et après, avec les biopsies, on a réussi à savoir tout de suite que c'était un rejet. J'étais à Lyon, et puis re-surdose de médicaments, et puis re-gros traitement. Demain, il y aura une intervention de l'homme sur l'homme, mais vraisemblablement non plus à partir d'objets techniques créés, non plus à partir de greffes, non plus dans le cadre d'une transplantation qui ouvre à d'autres interrogations concernant justement la tolérance, l'identité. Mais demain, on est là aujourd'hui dans le principe d'organogénèse. Alors, il faut faire très très attention parce que philosophiquement, ça pose aussi beaucoup de questions. Donc, cette capacité que nous portons en nous-mêmes en tant que sujet vivant, d'être en perpétuel renouvellement de notre
de nos propres tissus, de nos propres cellules, de pouvoir faire ce qui avait déjà été fait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de sortir, donc de garder vivant, mais ex vivo, hors de l'individu, des cellules, c'est ça avec des organes, des cellules, de permettre à ces cellules, de façon beaucoup plus rapide, de se multiplier et de recomposer d'abord un tissu, puis peut-être demain un organe, et de réimplanter. Donc on prendrait, voilà, une partie du vivant de l'individu que nous portons en nous en permanence, avec des capacités effectivement de différenciation cellulaire, de le sortir du corps humain, d'en faire donc pendant une période donnée un nouvel organe qu'on irait réimplanter, substituer un organe malade du patient. Alors soit un organe malade, soit une partie défaillante du corps, quoi. Et ça, c'est une perspective qui aujourd'hui est tout à fait... tout à fait raisonnable, hein, tout à fait raisonnable, même si sur le plan scientifique c'est particulièrement complexe. Et ça, c'est enthousiasmant. Imaginez demain refaire une partie de votre main, une partie de votre visage avec des cellules prélevées chez vous, et ce serait votre main. Ce serait plus comme dans le cas de la transplantation, la main de quelqu'un d'autre, le visage de quelqu'un d'autre, ou la partie du visage de quelqu'un d'autre. Il faut beaucoup de temps pour se dire que c'est son visage. Oui. Réapprendre à tout, à manger. À sourire, à parler, tout. J'ai fait beaucoup de kiné. Sourire, c'est la dernière chose qui a été faite. C'était plus long. Il y a des mouvements que je ne sais pas encore faire et que je ne saurais jamais refaire. La moue, une grosse moue, ça, je ne saurais jamais le refaire, je n'arrive pas. Et ce qui est dur, c'est le bison, le fameux bison, j'arrive pas non plus. Poser la question à quelqu'un qui pratique l'acte de transplantation, de savoir comment psychologiquement la chose peut être acceptée, c'est une inconnue, c'est de l'ordre de l'impensable. Nous ne sommes pas capables, nous, de répondre. Par contre, celui qui a vécu l'expérience de la transplantation est capable de dire. Et pour chacun des patients, c'est assez différent. Le regard extérieur que nous pouvons porter pour avoir croisé un certain nombre de transplantés est qu'effectivement, il y a là une acceptation. Hein. Ce n'est pas quelque chose de subi, il y a quelque chose de totalement volontaire, donc une réappropriation, hein, de cette partie manquante. On doit toujours poser la question en termes comment est-il possible de supporter en quelque sorte le transplant qu'on vous a fait au visage, mais comment est-il possible de supporter la défiguration qui a justifié qu'on vous fasse une transplantation, quoi. Or, vivre aussi, c'est s'accepter comme changeant tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que l'on essaye dont on essaye de faire prendre conscience à la personne qui va subir une intervention chirurgicale. Et puis aussi, grand sujet, mais difficile. Imaginez qu'il soit possible, par exemple en France, de faire présenter le journal télévisé de 20 heures d'une grande chaîne de télévision par un défiguré. La chose a été faite à la BBC, par exemple. Voilà. Tout cela pour dire que l'autre est différent dans la forme de son visage, dans son apparence, dans sa difformité aussi, quelquefois, et que chacun d'entre nous se doit d'aller de temps en temps au-delà, hein, et ne pas céder à cette tentation normative d'une espèce d'esthétique convenue, dont on sait aussi, dès lors qu'on a un regard un petit peu historique, que la forme, au fil du temps, selon les modes, hein, selon les canons esthétiques que l'on s'approprie, évolue elle aussi, et que notre propre visage lui aussi est en transformation perpétuelle. Comment continuer de s'accepter, sinon s'accepter comme changeant, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Mon nouveau visage m'a donné plus de force pour affronter les gens, le regard des autres, la seule chose qui me reste à faire, oui, c'est ça, c'est retravailler, oui. Le regard des autres, je le vois plus autant qu'avant comme un obstacle.
Il n'est pas à proprement parler visible, mais il est dans une face, ce qui débride notre faculté de vision, ce qui, en elle, dépasse notre imagination et pulvérise nos modèles. On a dit « la beauté d'un chapeau, c'est le visage ». On pourrait dire « la beauté d'yeux, la beauté d'une bouche, la beauté d'un nez, c'est le visage ». Le visage est question moins de traits que de gestes, moins de configuration que de façon, moins de symétrie que de port. Il est la présence telle que nous pouvons la ressentir, même dans un tableau, quand ce tableau regarde, quand nous comprenons qu'il nous regarde, quand il est, en somme, lui-même visage. Le visage, c'est le style, la rencontre d'une matière avec une intention, le désir qui s'inscrit dans une pâte et donne forme à l'informe, trace au moyen de fluides et de couleurs. Il est même d'autant plus manifeste que la face est en ruine, repoussante, comme chez certains pauvres, certains clochards, certains vieillards. Plus que le rayonnement de la présence, ce qui étonne, intrigue et captive dans cette misère, c'est le rayonnement de l'unicité. Diamant unique de la vie de cet être dont on dit qu'il est abandonné par la vie. Diamant de l'histoire qui fut sienne, diamant de l'unicité, seul à le maintenir malgré tout et, car tel est l'enjeu du visage, à le faire triompher de la mort. À toutes les gueules cassées qui se sont laissées surprendre juste en bas de la jetée par la marée montante, par une belle nuit d'été. À tous mes amis, à toutes les gueules cassées qui n'ont jamais pu se rendre, qui n'ont pu se calmer. À tous mes amis, à toutes les gueules cassées qui ont dû aller se faire pendre, qui ont dû se balancer à des branches qui ne demandent qu'à se fendre, à du bois qui ne demande qu'à casser. À tous mes amis, à toutes les gueules cassées, aux plaies, aux bosses, aux visages émaciés, même si la chair est tendre, elle est parfois empoisonnée. Thank you.
jamais pu se calmer. Tellement de comptes à rendre, tellement peu à en laisser. La nature n'est jamais tendre pour ceux qui veulent la provoquer. À tous mes amis, à toutes les gueules cassées qui ont mordu la poussière, qui n'ont pu que chavirer, même quand la nuit est tendre, elle ne pense qu'à vous dévorer. Qu'à vous dévorer. Merci.